Le divan le pelletier. Ce fameux divan est un vent où l'on vanne l'esprit moderne. Plus absolutiste qu'il va, ce fameux divan est un vent. Des farceurs venus du Morvan qui terrassent l'hydre de l'urne. Ce fameux divan est un vent où l'on vanne l'esprit moderne. Là, Guichardet, pari aux dieux, montre son nez vermeil et digne. Ici, des nains qui n'ont pas d'yeux. Là, Guichardet, parie aux dieux. Merguer, c'est fort dispendieux, fait des mots à cent sous la ligne. Là, Guichardet, parie aux dieux, montre son nez vermeil et digne. On voit le 12 Asselineau, près du farouche Baudelaire. Comme un Moscovite est entre nous, on voit le 12 Asselineau. Plus aigre qu'un jeune surnau, l'autre est comme un gueux en colère. On voit le 12 Asselineau, près du farouche Baudelaire. On y rencontre aussi Babou, qui fait de ce lieu sa quepoue. Avec sa plume pour bambou, on y rencontre aussi Babou. À sa gauche, un topinambou. Trousse une ode topinambou. On y rencontre aussi Babou, qui de ce lieu fait sa capoue. Près de l'harmonieux Stadler, flambant encore la Madeleine. Emmanuel regarde en l'air, près de l'harmonieux Stadler. Voyons-moi, voit dans un éclair passer le fantôme d'Hélène. Près de l'harmonieux Stadler, flamboie encore la Madeleine. Le divan près de l'opéra est un orchestre de voix fausses. On ne sait quel mage opéra, le divan près de l'opéra. Des immortels morts, on paiera pour contempler encore leurs fausses. Le divan près de l'opéra est un orchestre de voix fausses.